On s'en va à l'international. 15e jour de guerre entre le Hamas et Israël après avoir été stationnés pendant quelques jours à la frontière égyptienne. 20 camions d'aide humanitaire sont enfin entrés dans la bande de Gaza. Ils ont franchi le terminal de Rafah, frontalier de l'Égypte, ouvert exceptionnellement pour cette opération, et ont pénétré le territoire palestinien. Alors que le conflit entre dans sa troisième semaine, cette aide s'avère cruciale pour bien des Gazaouis. Ils sont nombreux à manquer d'eau, de nourriture, de médicaments et d'électricité. Ce premier convoi d'aide ne doit pas être le dernier. C'est ce qu'a dit un responsable des situations humanitaires d'urgence de l'ONU. Il se dit confiant que ce chargement, bah, c'est le début d'un effort durable pour fournir des biens essentiels à Gaza de façon sécuritaire et sans obstacle. Et on va faire le point sur le terrain pour voir ce qui se passe avec Nicolas Rosenbaum, qui est journaliste correspondant à Jérusalem. Bonjour! Bonjour bonjour à tous. Ce matin, vraiment, ce qui retient l'attention aujourd'hui, c'est vraiment cette aide humanitaire hein, qui arrive enfin à Gaza. On sait que les camions étaient st stationnés quand même pendant quelques jours à la frontière. Donc là, le début d'une aide là, qui commence. Oui, effectivement. Et en fait, ce sont des centaines de camions qui attendent du côté égyptien du passage de Rafah pour entrer en territoire palestinien. Alors techniquement, vous l'avez dit, 20 camions sont entrés, mais... Les camions sont entrés simplement dans le terminal de Rafah et de l'autre côté, dans le, la, la partie palestinienne de ce terminal, se trouvaient 36 semi-remorques. Et, et, et en ce moment encore, on est en train de transférer les marchandises qui mmh. se trouvaient dans les camions côté égyptien vers celles du côté euh, palestinien. On, on voit ça à l'image d'ailleurs euh, maintenant, plus ou moins. Et donc ça prend quelques, encore du temps. Et les cabions vont ensuite distribuer cette assistance humanitaire du sud, côté sud de la bande de Gaza. Mais il faut dire que ce sera loin d'être suffisant là, parce que les besoins sont grands, les gens manquent d'eau, manquent de nourriture, manquent de médicaments. Oui, alors euh, du côté israélien, on affirme euh, qu'il y a 700 000 réfugiés euh, dans la partie sud de la bande de Gaza et qu'il n'y a pas véritablement de crise humanitaire à ce stade, c'est ce que les Israéliens affirment. Mais en tout cas, euh, on fait un lien ici très direct mmh. avec la libération des deux otages américaines. C'est quelque chose qui s'est fait apparemment en échange de l'entrée des camions avec l'aide humanitaire. Et on estime aussi que cela va peut-être se poursuivre. Au compte à gouttes, le Hamas et les autres organisations qui détiennent des otages vont les libérer, et à chaque fois, il y aura des, des camions qui pourront entrer euh, du, côté de la, du côté sud de la bande de Gaza. Bon, ça c'était le volet aide humanitaire. Maintenant, on parle beaucoup de cette offensive terrestre de l'armée israélienne depuis près d'une semaine maintenant. On dit que c'est imminent. Est-ce que ça s'en vient Est-ce qu'on voit Commence à avoir des signes là, sur le terrain. Mais écoutez, il y a toujours 360 000 réservistes israéliens mm -hmm. qui sont mobilisés. Certains sont rentrés d'ailleurs pendant le week-end en permission chez eux pour se reposer un, un petit peu. Il y a des entraînements qui se font, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe direct que cette offensive terrestre soit sur le point de commencer. Et le cabinet de guerre israélien a donné son feu vert à cette offensive et on attend, c'est l'expectative. Et parlons maintenant des otages. Il hein, faut le dire, il y a eu deux libérations au cours des dernières heures. Euh, bon, est-ce qu'il y a des négociations qui se poursuivent? Qu'est-ce qu'on dit là, en Israël présentement là-dessus? Là écoutez, les, les deux otages qui ont été libérés, Yehoudite et Nathalie Rahanan, c'est une mère de 59 ans et sa fille âgée de 17 ans sont donc de retour en Israël. Dès leur arrivée, elles ont été conduites dans une base militaire où elles ont pu rencontrer leurs proches, mais aussi... Et il faut rappeler qu'il y a huit membres de leur famille qui sont toujours détenus du côté palestinien par le Hamas. Mmh. Et euh, ces deux femmes, ce sont des Américaines qui vivent à Chicago. Elles étaient là, elles étaient venues pour l'anniversaire de euh, la doyenne de, de leur famille. Et il y a d'autres, il y a encore dix Américains euh, qui sont détenus euh, du côté du Hamas. Et euh, il y a aussi d'autres binationaux, euh, français et allemands notamment. Et apparemment, c'est euh, les gens qui ont donc cette double nationalité, les otages qui ont cette double nationalité, qui seront les premiers à être libérés. C'est un sujet qui provoque une certaine inquiétude en Israël. Il y a en tout, les chiffres ont été revus à la hausse ce matin, 210 otages qui sont détenus par le Hamas, d'après ce que dit le porte-parole de l'armée israélienne. Nicolas Rosenbaum, journaliste correspondant à Jérusalem, merci d'avoir été avec nous. À bientôt. À bientôt. À Ottawa, maintenant, un groupe de 33 députés fédéraux demande au gouvernement Trudeau de réclamer un cessez-le-feu dans le conflit Israël-Hamas. Dans une lettre, le groupe de députés composé de libéraux, néo-démocrates et de Verts demande au gouvernement Trudeau de réclamer haut et fort un cessez-le-feu dans la guerre ayant fait des milliers de morts entre Israël et le Hamas. Les députés demandent au gouvernement d'agir avant que davantage d'enfants innocents soient tués. Pour le moment, Justin Trudeau n'a pas explicitement réclamé le cessez-le-feu, mais a vivement dénoncé les morts civiles des deux côtés du conflit. Dans leur lettre, il demande aussi que le Canada fasse tout en son pouvoir pour l'établissement d'un corridor humanitaire afin de permettre l'acheminement de l'aide tant attendue par les réfugiés en manque de tout dans la bande de Gaza.